Salut les fines bouches. Aujourd'hui, on va faire un plat vraiment typique de saison. On a deux mois et demi dans les meilleurs des cas pour en profiter. Mais par contre, je connais personne qui n'aime pas ça. On va faire des asperges. Là, de l'asperge du Soissonnais, pour vous dire à quel point la qualité est up. Et on va l'accompagner d'une sauce mousseline citronnée. C'est très simple, c'est pas beaucoup de temps, mais c'est un délice. Quels sont les éléments nécessaires pour réaliser ce délicieux plat? Des asperges en bottes. Si vous n'habitez pas Soissons, vous pouvez quand même venir en chercher, hein, on en a plein. Et puis, il faut un citron, de la moutarde, de l'huile d'arachide ou de tournesol. J'évite l'huile d'olive, je n'aime pas trop dans la mayonnaise. Deux œufs. Comment on fait? On commence par nettoyer son plan de travail. On enlève les élastiques de la botte d'asperges. Et on va faire la seule chose un petit peu embêtant de la recette, c'est qu'on va les éplucher de la tête à la queue et pas l'inverse, de façon à protéger la tête qui est, comme chacun le sait, le meilleur morceau de ce légume. On va éplucher tout ça. Et on va se revoir dans quelques instants, une fois que ce sera fait. A tout de suite. Quand toutes nos asperges sont épluchées, là on va les ficeler en deux bottes. Donc, parce que si on fait qu'une botte, c'est compliqué, ça fait un gros paquet, et celle du milieu risque d'avoir un tout petit peu moins de cuisson. Donc là, vous voyez, on met 7-8 asperges par botte, et on les ficelle. En commençant par le haut, et on vient ensuite croiser et venir chercher le bas. Les asperges sont liées comme des sœurs. J'ai fait chauffer de l'eau dans laquelle j'ai mis un bouquet garni. Je n'ai pas salé. Je les ai mises à cuire. Ça bouillonne un petit peu, mais pas trop. Pourquoi on doit les attacher? On les attache pour éviter que les têtes bougent quand ça frémit comme ça et qu'elles se tapent et que la tête se casse. Parce que la tête, c'est quand même une asperge sans tête, ça manque tout de suite de saveur. Pendant que ça va finir de cuire, il faut 20 minutes à peu près pour cuire les asperges. Comme toujours, on pique au couteau, mais 20 minutes, c'est bon. On va faire notre sauce mousseline. Donc sauce mousseline, c'est quoi? C'est une mayonnaise qu'on va additionner de blanc monté en neige. On va commencer par mettre dans notre récipient deux jaunes d'œufs. On additionne la moutarde. On sale. On poivre et on fouette. Là, on prend notre huile qu'on incorpore pour avoir une belle mayonnaise. Pour la faire assez épaisse, et comme elle va être incorporée avec des œufs, le blanc d'œuf, ça va la liquifier un peu. Voilà, vous avez vu? Ça, c'est de la mayo. Là, on prend ça et on va insérer un demi jus de citron
Et là, ça blanchit bien, vous avez vu, le citron, comme le vinaigre, dès que vous le mettez dans la mayonnaise, ça la blanchit. Là, on va prendre nos blancs d'œufs, on va mettre tout petit peu de sel, et on va le battre pour les faire monter. Il faut les monter bien, bien, bien serrés. Là, les asperges sont cuites. Donc, on va stopper. On va vérifier en piquant avec la pointe. Ça m'a l'air parfait. On va délicatement les sortir. Les laisser refroidir doucement parce que ça peut se manger tiède ou froid, mais bouillant, je ne suis pas un fan. Là, on va donc terminer notre mousseline. Savoir, on va mettre la moitié des blancs là et on va mélanger avec le fouet gentiment de façon à incorporer le blanc dans la mayonnaise. On ne bat pas, hein, sinon ça va faire tomber les blancs et ça va devenir moins agréable. Là, vous vérifiez la texture que vous voulez. Je vais en mettre un peu, mais je ne vais pas tout mettre. Voilà, là ça me semble onctueux, bien léger. Donc, it's a time for cuillère. Comme tu l'aimes. Là, le temps que les asperges reposent. On va mettre ça au frais pour que ça se tienne et puis que ce soit servi un peu frais. On se revoit au moment du dressage. Yaha ! Le dressage ! Les asperges ont tiédi. Pour l'instant, elles sont tièdes. Je les ai posées sur un petit linge pour qu'elles égouttent un petit peu, mais elles sont tièdes. Là, on les a dressées dans une assiette que j'adore. C'est un cadeau d'une amie. Merci Fatma. Et on l'a... Maintenant, on va mettre un petit peu de sauce ici à la tête des asperges. Ensuite, quand vous êtes à table, deux options. Prenez à la main et vous faites ça. Ou alors l'option 16e, couteau, fourchette et on pointe. N'oubliez pas de mettre un tout petit peu de sauce mousseline à côté. Dans 99% des cas, selon les sondages, il n'y aura pas assez de sauce. Voilà les fines bouches. Très simple, l'asperge, du Soissonnais ou d'ailleurs, dans tous les cas, c'est le plein de saveurs. Et la sauce mousseline à côté. Que celui qui essaye et qui me dit qu'il n'aime pas, me jette la première asperge. En attendant, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?